Et une chose aussi à retenir, mes honorables frères et sœurs, c'est que quand Dieu te prive, en fait, il te donne. Quand Dieu te prive, en fait, il t'éduque. Quand Dieu te prive, en fait, il veut que tu te réveilles. Et on le voit à travers, à titre d'exemple, le mois du Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala nous prive de boire et de manger, afin qu'on se rende compte de ce grand bienfait qui est le fait de boire et de manger, même de l'eau ou des dattes. Mais si on n'est pas privé, eh bien on banalise les bienfaits trop facilement et trop longuement et de manière ingrate. Et on mange et on boit quelquefois sans remercier Dieu, sans prendre conscience que c'est un des plus grands bienfaits parmi ces bienfaits de la vie d'ici-bas. On a même du mal à dire Alhamdulillah quand on finit de manger. Louange à Dieu. Bismillah au nom de Dieu quand on commence à manger. Pourquoi ? La banalisation des bienfaits. Et ça, c'est un grand mal qui nous touche toutes et tous. Quand on banalise les choses. En fait, quelquefois, ou quelque part, on peut dire qu'on est un peu pourri gâté. Vous avez vu un enfant, quand on le rend pourri gâté, tout ce qu'il veut, il a, bah, il donne plus d'importance à ses jeux, aux cadeaux qu'on lui donne. À peine il dit merci. Bah, on est un peu pourri gâté, nous. Comme on a des bienfaits tous les jours, la vue, la santé, la sécurité, le logement, le chauffage, l'eau, la nourriture. Peu d'entre nous remercient Allah comme il se doit. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a dit « وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ » Et peu de mes serviteurs seront reconnaissants. Et certains compagnons, certains pieux disaient « Allahumma ja'alna mina al-qalil » Oh Allah, fais de nous des gens qui font partie du peu, de la petite quantité. Parce que Dieu a dit « peu » vont être reconnaissants vis-à-vis d'Allah. Et quand Dieu te prive, eh bien c'est pour te rappeler à l'ordre, pour te dire, tu vois, tu l'avais, et tu ne donnais aucune importance, maintenant tu l'as plus. Maintenant tu vas retrouver ce que tu avais perdu. Eh bien, donne de l'importance à ce que tu avais, ce que tu as perdu, ce que tu as retrouvé. Eh bien, pareil pour le jeûne. La journée, le fait d'être privé de boire et de manger, eh bien le soir, on se rend compte du grand bienfait de la nourriture, ne serait-ce que de l'eau. Une gorgée d'eau, qu'est-ce qu'on donnerait quelquefois pour une gorgée d'eau dans la journée? Mais on se prive par amour pour notre Seigneur. On patiente parce qu'on sait qu'après l'effort, après la difficulté, après la patience, vient la récompense et l'apaisement et la sérénité. Et c'est bien, c'est pareil pour toutes les épreuves de ta vie. Quand Dieu te prive d'un emploi, Dieu te prive d'argent, Dieu te prive d'une part de ta santé ou d'une partie de ta santé, Dieu te prive d'un membre de ta famille, c'est pour te rappeler à l'ordre et pour te dire, regarde, tu l'avais, peut-être tu n'étais pas assez reconnaissant, je veux ton bien, je te le prive mais je te le rendrai. Parce que la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah ne donne pas une âme une charge au-dessus de sa capacité. Fa inna ma'al usri yusra. Après la difficulté vient la facilité, avec la difficulté vient la facilité.